Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes bien sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Et nous sommes très, très, très heureux d'être en votre compagnie encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes à la mi-mai et bon, notre chaîne continue son petit bonhomme de chemin, continue de s'enraciner dans l'Afrique et très bientôt, vous allez voir ce gros feuillage sur lequel sera écrit en gras et en majuscule Label Radio et Télévision. La chaîne incontournable et l'une des émissions incontournables de notre chaîne, c'est bien, ça va chauffer. Et nous vous disons merci beaucoup d'avoir décidé de passer ces 90 minutes en notre compagnie comme un match de football. Seulement que oui, il y aura des palpitations, il y aura des débats, il y aura des discussions, il y aura des arguments contre d'autres arguments. Et tout ça va être arrosé de très bonne musique. Et comme vous connaissez cette émission, je m'avais vous dire qu'elle n'a pas changé, c'est un plateau éclaté, c'est un talk show avec des Georgettes, c'est-à-dire des chroniqueuses dispersées un peu partout sur le continent et même en dehors du continent. Mais commençons par ici, tout près de moi, j'ai Bintou, bonjour Bintou. Bonjour Georges. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Ça va, on se maintient. Ok, oui. Alors il faut dire qu'on a bouclé le Ramadan. Oui, ça s'est terminé il y a deux jours maintenant, on l'a terminé jeudi. Alors pour certains ça a été mercredi, pour d'autres jeudi. Oui, bon tous les ans on a ce petit débat de savoir… C'est seulement ici au Sénégal que c'est comme ça? Écoutez, en tout cas c'est l'une des particularités du Sénégal. Oui. Il y a toujours, on commence toujours soit un jour avant, soit un jour après, et pour la fin c'est toujours pareil. Et mais comment ça s'explique? Ça s'explique par rapport à la lune, parce qu'il y en a qui disent que par exemple ceux qui suivent les Émirats ont vu la lune tel jour, et au Sénégal certains Sérines par exemple vont dire qu'ils n'ont pas encore vu la lune le jour désigné, qu'ils la verront le lendemain. Ouais. Du coup on se rapproche à la lune. Donc, dites-nous, très franchement, vous avez fait le jeûne? J'ai jeûné, oui. Déjeuner. Les 30 jours? Presque les 30 jours, oui. Ah bon? Non, c'est 30 ou c'est pas 30? C'est 30 jours, mais en fait, nous, les femmes, on est dispensées d'une semaine. Ah bon? Oui, il y a une semaine qu'on ne peut pas jeûner, donc on la jeûne après, on rattrape nos jours après la fin du Ramadan. Et comment ça s'est passé? C'est dur? C'est comment? Parce qu'on entend des gens se plaindre alors que normalement, on devrait jeûner, être toujours dans les mêmes dispositions. Exactement, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, si on jeûne pour se plaindre, autant ne pas le faire. Ouais. Parce qu'on nous a dit de le faire si on était capable de le faire. En plus, je trouve que cette année, on a eu de la chance, il n'a pas fait très très chaud. Donc, on a pu jeûner tranquillement. Disons que par rapport aux gens qui sont en France, on a de la chance aussi. Parce que quand France, il fait chaud, on a soif. On a soif. Et on n'a pas le droit de boire. C'est dur, c'est vraiment dur de ne pas boire. Et on a la chance d'avoir des horaires assez réduits comparé à d'autres pays aussi. Donc, je pense qu'au Sénégal, ça va, on s'en sort bien. Et la fête s'est déroulée comment? Ça s'est bien déroulé pour ma part, en tout cas, ça a été. Moi, l'une des choses que j'ai constaté, c'est que le jour de la fête, j'ai presque pas vu quelqu'un porter un habit. En tout cas, tous les vêtements étaient neufs. Tout ce que j'ai vu, avec des vêtements tout neufs. C'est ça, c'est super. Dans la religion musulmane. Ça veut dire que les tailleurs, ils ont eu beaucoup de boulot. Oui. On nous dit que les jours de fête, on doit porter, comme le vendredi par exemple, c'est pour ça que vous voyez souvent les gens le vendredi en habit traditionnel, on doit porter notre plus bel habit en fait. Ah oui. Donc généralement les gens se font coudre de nouveaux habits. Voilà, on a quelque chose de neuf. Et qu'est-ce qu'on mange? Du mouton, évidemment. Mouton, du poulet. Mais la fête du mouton, c'est bientôt. C'est bientôt, mais on l'a pas tué là à cette fête, mais on en mange quand même. Mais pour la prochaine fête, il y aura le sacrifice. Ok. Et ça s'est très bien passé pour vous? Ça s'est très bien passé pour moi, comme chaque année. L'une des caractéristiques aussi de cette journée du jeudi 13 mai, c'est que pour les chrétiens, c'était également jour de l'Ascension. Oui, ça c'était vraiment… je trouve que c'était une belle image pour notre pays parce que ça montre vraiment l'unité de ces deux religions en fait. Parce que chrétiens et musulmans vivent toujours en harmonie, ont toujours vécu en harmonie ici. Et le fait que ces deux fêtes tombent le même jour, c'est vraiment, je trouve, un signe de fraternité super. Donc on va dire jeudi 13 mai, jour saint deux fois. Vous allez me permettre d'aller en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui n'est pas très loin du Sénégal. Nous sommes en Afrique de l'Ouest pour retrouver Pulchéri. Pulchéri, bonjour. Pulchéri. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Bonjour. Vous êtes toutes de jaune vêtues? C'est un signe particulier? Je suis.
Non, du coup, j'avais envie de me mettre un peu de couleur ce week-end, donc j'ai choisi la couleur jaune. Ah, d'accord. Tout simplement. Ok. Ça a été aussi là-bas, la fête de l'Ascension. Bon. Là-bas, il n'y a pas eu de superposition en Côte d'Ivoire. Il y a eu la fête du Ramadan le mercredi, et puis jeudi, la fête de l'Ascension. Oui, j'ai eu la chance de célébrer ces deux fêtes-là à l'intérieur, c'est-à-dire à Yamto, quand j'étais dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ah, j'ai oublié que vous bougez beaucoup. Hein. Aujourd'hui, vous êtes où? Oui, en ce moment, je suis à Bassam sur un peu hier, okay. La soirée, oui. Ok, alors vous étiez où? Du mercredi lundi au vendredi. C'était à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. C'est là-bas que j'ai passé ces deux fêtes-là. Et vraiment, c'était merveilleux, comme l'a si bien dit Bintou tout à l'heure. C'est-à-dire les musulmans ont célébré le Ramadan le mercredi et les chrétiens ont célébré l'Ascension le jeudi. Du coup, vous avez eu deux jours de fête. Deux jours fériés aussi. Oui, deux jours fériés et les Ivoiriens. Et puis, il paraît que le vendredi, c'était la rallonge. Voilà, le vendredi, c'était le pont que les certains... Et puis lundi, demande d'explication. Demande d'explication, effectivement. Et ça s'est bien passé, hein? Oui, ça s'est super bien passé. Un petit tour chez nos frères musulmans pour célébrer le Ramadan. Mm-hmm. On a célébré ça comme il se fallait, et puis bon, le jeudi, l'Ascension, tranquillement, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Bon, on sait que votre Premier ministre il est rentré hier, mais sa maladie a fait le tour du monde, le tour de la toile, et ça a mis sur la Côte d'Ivoire un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a peur maintenant de ce poste de Premier ministre. on croise les doigts, hein. On espère que tout va bien se passer. Les filles de ma soeur Adrienne, quelque part là. Comment? Oui, effectivement. Non, je disais que j'entendais vos rires. Faut pas rire, hein. Faut pas rire. C'est le Premier ministre qui tombe malade. Oui, seulement qu'il y a cette coïncidence là. Ce n'est pas le fait. C'est vrai que nous sommes tous inquiets, mais l'inquiétude ne vient pas du fait que ce soit un Premier ministre qui se trouve malade. Mais quand on a déjà subi des maladies de deux ex-premiers ministres qui ont trouvé la mort après, c'est ce qui nous inquiète un peu. Okay. Voilà, donc les Ivoiriens se sont tous interrogés de ce que comment est-ce qu'il va. Alors comme il est rentré, hier. Oui, et par la grâce de Dieu, tout le monde est content de le retrouver. Il est rentré hier, effectivement, après avoir été hospitalisé en France. Mm-hmm. Il est de retour au Bekaï. Vous avez entendu la question de Bintou, Ben, qui est avec nous? Non. Tout à l'heure. Elle a demandé, je dis ça fort, elle a dit ça doucement. Hein. Elle a dit, est-ce que c'est une malédiction? Comme vous avez dit que plusieurs ministres ont été malades. Non, on ne dira pas que c'est une malédiction et on ne le souhaiterait pas. Mais bon, je ne sais pas si je dois appeler ça une coïncidence ou vraiment c'est la question que tous les Ivoiriens même se posent. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien que le poste est intérêt, c'est cela que j'ai ri un peu. Quoi. Alors, avec le sourire qu'affiche le Premier ministre, on pense que ça va aller. Hein? N'est-ce pas? Oui, je comprends bien. Mais par la grâce de Dieu, le Premier ministre est de retour depuis hier et nous rendons gloire à Dieu. Et on profite aussi plus de un point de rétablissement parce que c'est pas évident. Ok. Mmh. Voilà. Parlons un peu de délestage en matière d'électricité et d'eau. Ça remue la société ivoirienne, tout le monde est fâché. On a vu des manifestations, des femmes avec leurs seaux et tout ça qui réclamaient de l'eau. Oui, des manifestations encore et encore parce que le délestage au départ c'était l'électricité et maintenant l'eau s'est rajoutée. Ah ouais? Ça fait beaucoup, comme hein. Ça devient un peu... on en a marre, quoi, franchement. On peut ne pas avoir l'électricité, peut avoir de l'eau pour se réconforter, mais quand les deux là font un featuring, il y a de quoi se plaindre. Donc toutes les populations sont mécontentes en ce moment, tout le monde grogne. Mais bon, on espère que la situation va se régler assez tôt. Ah, moi j'ai vu le plan. Selon les informations, il y aurait des soucis au niveau des barrages hydroélectriques. Et on espère que tout se rétablira dans l'ordre.
Alors, il y a quelqu'un qui a dit il y a du beau soleil en Afrique, qu'est-ce qu'on en fait si on doit subir chaque fois les intempéries. Aujourd'hui, il y a trop d'eau, inondation. Demain, il n'y a pas suffisamment d'eau, donc les barrages s'assèchent et ne tournent pas. Mais on a en permanence le soleil. Peut-être qu'il va falloir regarder de ce côté-là. Hein, pourquoi pas faire des investissements de ce côté-là et puis voir que peut-être ça va marcher un peu mieux. Alors, vous êtes descendu dans la rue, Pulcheri, pour réclamer de l'eau et de l'électricité? Non, malheureusement, non, je n'ai pas encore fait. Parce que mais il faut s'associer. Associez-vous, associez-vous à toutes ces bonnes femmes. Mais bon, de par ma voix, de par ce que je peux faire, je contribue aussi à cette marche parce que je suis avec la population. Comme je le disais tantôt, en ce moment, je suis beaucoup en déplacement. Voilà, mais je suis de tout cœur avec les populations qui m'aident, quoi. Réclamer. Et paraît-il que ça va durer comme ça? Ça va durer jusqu'en août. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein. Donc, oui, jusqu'en août. Et là, il y a un programme même qui a été établi pour les différentes zones qui vont subir ce délestage-là. Donc actuellement, toutes les communes, tous les quartiers ont leur programme. Programme de délestage. Oui, programme de délestage. Il y a des heures qui ont été définies et tout ça, donc c'est comme ça. Ok. J'entends d'ici Carole rire un peu sous cap parce que vous les Ivoiriens, vous n'avez rien vu encore. Tout ça vient de chez vous là-bas. Carole nous a contaminés. Carole dit, vous les Ivoiriens, vous n'avez rien vu encore. N'est-ce pas, Carole? Bonjour. Bonjour, Georges. Les Ivoiriens n'ont rien vu encore. Bonjour la caméra. Bonjour Carole. Oui. Bonjour Carole. Nous sommes, comme on l'a dit samedi dernier, hein, nous sommes les frères jumeaux des Ivoiriens. Ouais, vous êtes des frères. Nous compatissons, nous disons. Vous êtes des Siamois, le Cameroun et le. Nous disons, la Côte d'Ivoire. Ils nous ont appris certaines expressions, donc nous disons Yako à la population ivoirienne. Ouais. Un gros Yako, hein, en majuscule. Carole, vous savez, finalement, vous n'êtes plus camerounaise, hein, on vous adopte directement. Ok. Vraiment. Alors, Carole. Qu'est-ce qu'on dit? Inch'Allah. Carole, je sais que quand on parle des coupures d'électricité au Cameroun, eh bien, il y a quelqu'un qui vous coupe le contact avec nous. Donc, aujourd'hui, on ne va pas en parler. On va parler plutôt de cette superposition des deux fêtes également. Ça a eu lieu là-bas au Cameroun, la fête de l'Ascension et la fête de la fin du Ramadan. Ça s'est bien passé? J'ai vu vos reportages. Oui, ça s'est bien passé, même si les Camerounais, la majorité des Camerounais, d'après ce que je lisais sur les réseaux sociaux, auraient souhaité que ça soit comme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le Ramadan tombe plutôt mercredi, comme ça on aura un long, très très long week-end, de mardi à lundi, des jours fériés. Il paraît que quand on fait de bonnes prières, ça marche comme ça, on a deux jours fériés. Oui, il y a même des gens qui sont allés un peu plus loin en disant depuis quand est-ce que les musulmans et les chrétiens s'entendent? Donc, mais c'était bien, c'était très bien. Il y a dans certains quartiers connus comme des quartiers chrétiens, des mosquées qui sont ouvertes là-bas. Ce jour-là, on n'a pas eu de problème avec. Il n'y a pas eu de plainte, de bruit et tout cela. Donc ça s'est très bien passé, ça s'est très très, très bien passé. Et ça doit faire bien, non? Toute une ville complètement en fête, tout le monde est en fête. Tout le monde était en fête. La grande prière, ça commence avec les chrétiens parce que à l'église catholique, la première messe commence à 6h30. Mm-hmm. Donc on a participé à la messe de 6h30 et puis on est allé à 8h30 dans la grande mosquée centrale du Camberto ici à Douala. Hervé Ognio, notre porteur de Yaoundé, lui était à la grande mosquée du quartier Briqueterie. À 8h30 et à 10h on est revenu chez les protestants, donc c'était la fête, les musulmans qui après leur petit goûter de 13h se sont rendus chez leurs frères et sœurs chrétiens pour partager également le repas avec eux. Ça s'est très très bien passé, voilà, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles des zones anglophones, donc je pense que ça s'est très bien passé. Quand ça se passe comme ça, très bien, tout le monde est content. Et quand on parle de religion,
question, forcément. En Italie, bon, ben, c'est là-bas que se trouve le Vatican. Bonjour, Adrienne. Oui, bonjour, Georges. Là-bas, la fête de l'Ascension a dû avoir une saveur particulière, Adrienne. Comment ? La fête de l'Ascension, ça a dû avoir une saveur particulière parce que le pape, il est juste à côté de vous. Ben, je vais juste vous dire que, étant de la Lombardie, nous sommes sous le rite ambrosien. Donc, on n'est pas sous le rite romain. Le rite romain, c'est vrai, c'était le jour de l'Ascension, mais ici à Milan, disons toute la zone de la Lombardie, c'est pratiquement demain, dimanche, qu'on va vraiment on va fêter l'Ascension. Ah bon, il y a toujours ce genre de... C'est-à-dire qu'il y a eu, les messes ont été célébrées, mais ce n'est pas la grande fête comme au niveau romain. Ah bon. Voilà. Okay. Là qui est là. Vous nous apprenez des choses. Hein. Les lectures même diffèrent et tout. Généralement, durant toute l'année liturgique, les lectures diffèrent. Romain est complètement différent de l'ambrosien. Ah bon. Et vous êtes de quel côté? Non, enfin, pour l'instant, je vis dans la Lombardie, donc ben, je suis sous le rite ambrosien. Sinon, si je suis à Rome, ben, voilà, où que je me trouve, voilà, ben, je suis sous le rite romain après. Est-ce qu'à l'occasion de la fête de l'Ascension, le pape, il a un message particulier? C'est Saint-Ambroise. L'histoire est un peu complexe. Saint-Ambroise ben, qui en arrivant de Rome, bon, voilà, quand il est arrivé, il a instauré, et puis bon voilà, toute la Lombardie a adopté ça, et c'est différent. Et on n'a pas les mêmes lectures. Les mêmes lectures, voilà. Ma question demeure pourtant. Oui. Est-ce que le pape, à l'occasion de la fête de l'Ascension, il a un message particulier? Parce que souvent, à l'occasion de ce genre de célébration, il a un message qu'il lance pour le monde entier. Oui, c'est le même message qu'il lance pour le monde entier. Ça ne change pas. En fait, je veux dire que c'est seulement au niveau des messes qu'il y a la petite différence. Sinon, tout ce qui se passe à Rome, voilà, disons, le rite ambrosien doit quand même l'assumer. C'est juste au niveau des lectures et puis des petites dates, des fêtes qu'il fait. Sinon, tout ce que le Vatican décide, tout ce que le pape décide, ben, les ambrosiens sont obligés de suivre, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Adrienne. Oui. Je reviens au Cameroun, hein, retrouver Carole. Paraît-il que l'une des plus belles filles de ce monde vient du Cameroun. C'est vrai, ça? Oui, c'est bien. C'est vrai. L'élection Miss Univers 2020 se déroule aux États-Unis. Ce sera demain, 16 mai 2021. Et une Camerounaise, pour la première fois, est candidate. Et finaliste à cette élection. Ah oui? Elle s'appelle comment? Il s'agit de Angela Kosinda. Un autre nom qu'on ne connaît pas, qui n'est pas affiché, c'est Bourmasu. C'est un nom originaire du Angela Kosinda. N'est pas comme cela que ça se. Je veux dire, on n'a pas une telle candidate à cette élection. Elle est titulaire d'une maîtrise en management de finances. Mm-hmm. Oui, comme elle est du Septentrion, elle milite pour l'éradication des mariages forcés. Vous savez, quand on est du Grand Nord, du Septentrion, chez les musulmans surtout, les fils marient en deçà de 12 ans. Donc elle dit qu'elle va lutter pour l'éradication des mariages forcés. Elle va offrir une éducation gratuite à la jeune fille du Septentrion. Elle a une autre casquette, hein, c'est une comédienne. Comédienne dans les séries TV. Elle milite pour la beauté de la peau noire. Donc, elle milite pour l'utilisation des produits bio et voilà. Donc, on va dire aller l'Afrique, aller le Cameroun. Vous pensez qu'elle a des chances de l'emporter? Pardon? Elle a des chances de l'emporter? Il y a Bintou qui a déjà répondu ici. Bien sûr.
ce n'est pas sa première, c'est pas sa première participation à une élection internationale. Elle a été, elle a participé à Mister 2017, à Miss International 2019 à Tokyo au Japon, à Miss Supra National 2019 en Pologne. Elle a fini dans le top 25, mais a été couronnée Miss Supra National Afrique 2019. Elle a également été, elle a commencé ici chez nous, hein, dans le littoral, la région du littoral, où elle a été Miss Littoral 2016 et Miss Afrique 2017. Donc ce n'est pas une petite candidate. Donc c'est une candidate sérieuse. Vous voyez sa tenue traditionnelle, arborée de trois photos de lion. Le lion qui est donc la mascotte du Cameroun, l'animal totem du Cameroun. Donc ce n'est pas une petite candidate. Nous la soutenons tous et nous aimerions bien qu'elle remporte cette couronne. Et ce sera la deuxième fois que l'Afrique, je vais dire la deuxième fois successive que l'Afrique va remporter cette couronne, parce que l'année dernière, c'était une Sud-Africaine. Le mannequin Zosi Binitunzi qui avait remporté la couronne. On espère que la couronne reste en Afrique. Alors c'est quand la finale? Demain. Demain. 16. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez Évidemment qu'elle gagne. Évidemment qu'elle gagne. Mais je trouve ça déjà super bien qu'elle en soit arrivée jusque-là. Mm-hmm. Et qu'elle nous représente aussi bien parce qu'elle a vraiment affiché de là ses costumes. L'identité africaine est vraiment là. Et je trouve que c'est important que ce soit vu aux yeux du monde entier et qu'on soit fiers de ça surtout. Ok. En tout cas, c'est très bien. Nous sommes aussi fiers d'un monsieur qui nous a quittés il y a 40 ans. C'est Bob Marley. Bob Marley est parti. Depuis 40 ans, la célébration continue, hein, depuis le début de la semaine. Et je crois que même ceux qui ne l'ont pas connu quand il était vivant, continuent de vibrer au son des messages qu'il a laissés. Oui, je pense que Bob Marley est l'une des stars qui a su perpétrer cette foi et cette envie et ce plaisir de l'écoute même après sa mort, et il reste une icône et encore pour longtemps à mon avis. Ouais. Ok, et moi je dis Bob Marley, vraiment vivant, même mort, plus que jamais vivant, même mort depuis c'est 40 vrai. Ans. Pulcherie, vous avez célébré ces 40 ans de Bob Marley de quelle façon? Malheureusement cette année j'ai pas célébré. Quel est le morceau de Bob Marley que vous appréciez le plus? Le tube, le titre. Le titre que vous aimez le plus? Oh, No Woman No Cry, bien sûr, parce que quelqu'un qui défend la femme, quelqu'un qui prend le côté défense, quelqu'un qui magnifie la femme, donc c'est mon morceau préféré qu'elle a. Ok, vous savez chanter? Non, vous pouvez le fredonner ce morceau? Oh. On y va, Pulcherie va pas se faire prier. Essayons. Please. Try. Ben, je peux vous aider, hein. No woman no cry. On y va? On y va. Pas de bavardage, préféré. No woman no cry. On y va? La prochaine fois, Georges. Oh, no, on a déjà donné le ton. Georges, vous savez que je suis plus danseuse que chanteuse, donc. Tout à l'heure on va danser alors. Ok. Et quelques petits pas, ouais, ça sera pas mal. Ok, d'accord. Tout à l'heure on va danser. Adrienne a-t-elle envie de vous donner une chanson de Bob Marley? Oui, Adrienne, merci de me faire honneur. Adrienne. Comment? Merci de me faire honneur, Adrienne. Adrienne a-t-elle envie de se donner une chanson de Bob Marley? Je suis déconnectée. Déconnectée de quoi? Une petite chanson de Bob Marley. Non, mais c'est No Woman No Cry. On y va alors. J'ai déjà donné le ton. Hein. Comment on dit? Il faut commencer. No woman no cry. Vous aussi. No woman no cry. No woman no cry. Bob Marley va se fâcher avec vous. Hein. Carole, quel est le morceau de Bob Marley qui reste dans votre esprit et même dans votre cœur? One Love. Carole?
This Love, je crois. Comment? This Love, c'est une chanson qui parlait d'amour. Ah bon? Vous pouvez fredonner la chanson pour nous, pour qu'on sache de quoi vous parlez? Is This Love? Aujourd'hui, là, hein, pas, comment? Attendez un peu, attendez deux secondes. Oui? Is This Love? Je ne sais pas si quelqu'un a le début de la chanson pour que je puisse... Oui, c'est comme ça que ça commence. This is love, this is love. Voilà, il y a Bintou qui vous... Carole, il y a Bintou qui vous donne un coup de main. This is love, this is love, this is love. Voilà. C'est super chanteuse. C'est pas ça? C'est ça. C'est ça, bravo, c'est ça. Mais je vous entends même pas. C'est faible, c'est... C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? C'est ça? Ok, c'est très bien. Très bien. Et moi, je dis, et ça, je crois que... I wanna love you. Voilà. And treat... C'est ça, c'est cette chanson. I wanna love you. Ok, and treat you right. Every day. And... Every day. Ok, bon, alors, on se souvient. C'est ça. On se souvient que Bob Marley a ouvert les consciences des uns et des autres, des jeunes, des Africains, de tous les peuples qui sont opprimés. Et je crois que c'est très important. Pour ma part, je retiens que avec Bob Marley, eh bien, il faut se battre pour ses droits. Il faut se lever et se battre pour ses droits. Moi, c'est de cette façon que je résume toute la discographie, tous les textes, tous les messages envoyés par Bob Marley à travers le monde. C'est des textes qui marchent jusqu'à aujourd'hui et qui collent à un certain nombre de réalités un peu partout dans chaque pays. C'est pour ça que nous avons décidé de vous proposer, mesdames et messieurs, et chère Georgette, Get Up, Stand Up, de Bob Marley. Voilà, je crois que c'est le message principal que nous laisse comme patrimoine Bob Marley. 11 mai 1981, 11 mai 2021, cela fait bien 40 ans que Bob Marley est parti, mais il est plus que jamais vivant. Et ça, c'est une force planétaire et nous en sommes fiers. Et n'oublions pas, il faut se battre. Hein, un être humain doit se battre pour vivre heureux. Et donc, tant que les droits ne sont pas respectés, il ne faut pas abandonner, il faut rester debout et continuer de se battre jusqu'à ce que les choses aillent très bien, n'est-ce pas, Bintou ? C'est vrai, effectivement, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si ça se fait toujours encore, mais je sais que le 11 mai, d'habitude au Sénégal, on fête ça. On fête l'anniversaire de la mort de Bob Marley, donc il y a des soirées qui se font, les gens sont habillés aux couleurs de la Jamaïque et on passe tous la soirée ensemble avec la musique de Bob Marley. Et c'est sûr, à travers le monde, il y a des célébrations. Partout, ouais. Vous avez, je crois que vous avez entendu parler de ce documentaire. Oui. Sur Netflix, effectivement, il s'appelle Who Shot the Sheriff. Et c'est un documentaire en fait qui explique, parce qu'il y a eu des tentatives d'assassinat contre Bob Marley, et qui explique comment toute cette politique en Jamaïque a eu peur de lui, de par son influence et de ses pensées, de sa politique, et comment ils ont essayé de le stopper et de l'assassiner en fait. Ouais, Dieu merci, ça n'a pas réussi. Il n'a pas subi le même sort que Martin Luther King. Non. En tout cas, voici des personnes qui ont fait avancer l'humanité, qui se sont battues pour que les droits avancent et les droits soient respectés, quelle que soit la couleur de peau que l'on a. On va beaucoup parler de reggae pendant cette émission. Nous allons retrouver une autre star planétaire. En tout cas, nous sommes heureux que ce soit une star africaine. Il s'agit de Alpha Blondy. Alpha Blondy a décidé de mettre le doigt sur une plaie qui sévit dans pratiquement tous les pays africains et ça, c'est pas normal. Les hôpitaux sont malades alors que ce sont des structures qui accueillent les malades et qui doivent leur permettre de ressortir en bonne santé. Alors si ces hôpitaux-là même sont malades, eh bien, ça crée ce coup de gueule d'Alpha Blondy. Nos hôpitaux sont malades, pas de médicaments, pas d'équipement, nos hôpitaux sont des abattoirs. La star internationale de reggae, Alpha Blondy, vient de faire un coup de gueule. Dans un titre issu de son album Human Rights, sorti en octobre 2018, il dénonce l'une des plus grosses plaies du continent africain.
les misères des hôpitaux. Dans son franc-parler, Alpha Blondie dit avec des mots la détresse des populations, des personnels soignants, et interpelle les dirigeants africains sur l'urgence et la nécessité de repenser les systèmes de santé en Côte d'Ivoire et de tout le continent africain. Dans cet album sorti en 2018, il énumère les mots qui hantent les structures hospitalières sur le continent africain. Pas de médicaments, pas d'équipements, pas de plateaux techniques, les hôpitaux qui deviennent des abattoirs. Des dirigeants africains qui vont se faire soigner en Europe tandis que leur peuple crève dans la misère et dans le désespoir total. Des hôpitaux malades, pas de personnel qualifié, l'argent dilapidé dans les structures sanitaires. L'artiste décrit l'indifférence des dirigeants africains, la corruption qui gangrène les États, l'enrichissement illicite de clubs d'amis au détriment des populations abandonnées à leur triste sort. Cette chanson très engagée d'Alpha Blondie touche bien du doigt les réalités vécues dans nos hôpitaux africains. Un décalage qui engendre des pertes de vie humaine de trop. Le président africain vont tous se faire soigner en Europe, tandis que leur peuple crève dans la misère et leur crotte. Nos hôpitaux sont malades, pas de médicaments, pas d'équipement, nos hôpitaux sont des abattoirs. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a presque pas de commentaires à la suite de ce coup de gueule d'Alpha Blondie, mais on va enfoncer le clou parce que c'est véritablement une plaie qui sévit sur le continent et ce n'est pas normal que ça perdure. Et la chose la plus difficile à supporter, c'est que les personnalités politiques décident à travers des discours que bon, ça va très bien, le système sanitaire il est super, et quand ces personnalités tombent juste un peu malades, des fois un petit bobo qui nécessite juste un sparadrap, eh bien c'est un avion spécial, médicalisé, direction l'Europe, ça coûte des milliards. Et la Côte d'Ivoire s'illustre de la plus mauvaise des façons en ce moment. Au Sénégal, il y a quelques jours, hein, peut-être deux semaines, c'est un hôpital qui a flambé. C'est ça, un hôpital qui a flambé, un incendie. Et comme si ça ne suffisait pas. Exactement, 9 enfants sont morts. Ouais, donc ça reflète bien les réalités de nos hôpitaux en fait. Mm-hmm. C'est exactement ce qui se passe en ce moment et je trouve que c'est un coup de gueule qui est clairement justifié. Alors comment ressentez-vous cette situation contradictoire? Ça ne va pas. Et puis quand nos personnalités sont juste un peu malades, un petit palu, un petit mal de tête, direction l'Europe. Ben, je pense que malheureusement, c'est… On va les attacher maintenant dans ces hôpitaux-là. C'est ça, et c'est ce qu'il faut faire. Mais en fait, c'est pour tout. On se rend compte que ce soit pour les hôpitaux ou autres, oui, les gens ont l'argent et sortent du pays. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients de la réalité de leurs hôpitaux. Ah, et qu'ils ne font rien. Donc c'est ça le problème, c'est que… Alors, oui. Bintou l'a dit, hein, chères personnalités africaines, si vous abandonnez vos hôpitaux pour aller vous faire soigner ailleurs, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que ça ne marche pas chez vous. C'est vrai, Adrienne? Adrienne? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que vous allez taper dessus fort. Allez-y, vous en avez le droit. Vous avez le droit. Mais, oui. Non, je disais qu'on connaît bien Alpha Blondie avec son franc-parler. Mm-hmm. Ben voilà, il faut que des artistes de grande renommée comme lui essaient de toujours de mettre le doigt dans la plaie. Vous savez que moi, si je pouvais prendre, je ne sais pas, comment je peux dire. Prendre quoi? Nous le savons très bien. Voilà, vous le savez. C'est-à-dire que si on pouvait raser cette génération de présidents au pouvoir, là, les présidents africains, là, vous savez, moi je le ferais avec une baguette magique rapidement, ben c'est du n'importe quoi. Ouais. On est là en train de s'exhiber pour un métro qu'on va construire, c'est même pas combien de lignes de métro. Et on va dépenser des milliards pendant qu'on peut utiliser ces milliards-là pour construire des centres hospitaliers. Ah, mais n'oubliez pas aussi que les problèmes de transport sont des problèmes réels. Hein? Mais oui, mais c'est bien que c'est le problème de transport est réel. C'est vrai que le métro va désengorger la circulation. Mais en même temps qu'ils font ça, ils ont pensé aussi à tous ces gens-là, ces personnes-là. Là même, je vais essayer de mettre encore le doigt, parce qu'on sait que, par exemple, en Côte d'Ivoire, le côté transport est entre les mains plus ou moins des gens du Nord.
Mais le métro à Abidjan qui va désengorger la circulation, nous sommes d'accord, mais les Gbaka et tout cela. Et ces jeunes gens-là, ces jeunes apprentis Gbaka, tout cela qui vont perdre de boulot, ils vont encore se mettre... Bon, ça, c'est un autre problème. Restons sur les hôpitaux. Oui, oui, mais voilà. C'est tout ça là qui fait, c'est tout ça qui fait le problème. Parce que je vous dis que déjà, cette semaine, il y a eu au moins 1400 migrants encore qui sont arrivés. Ouais, sont venus. Voilà, ce sont tous ces problèmes-là. Tout est lié. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, moi, je dis que c'est du n'importe quoi. Et puis, bon, ils sont malades, ils prennent des jets privés, ils ont des avions qu'ils ont pas, ils ont garés dans, comment on appelle pas, des parkings, des choses. Des avions que n'importe qui ne peut prendre parce que, bon, c'est des avions qui sont, je sais pas comment. C'est du n'importe quoi. Laissez-moi vous dire, crier, c'est du n'importe quoi. Le continent africain, le peuple africain doit se réveiller. Okay. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. Parce qu'au début, les Occidentaux, ils nous ont présenté des bouts de miroir à nos aïeux pour vider le continent africain de toute sa jeunesse. Et là, maintenant, ce sont nos dirigeants qui ont étudié, qui ont fait de hautes études, qui bradent des je ne sais pourquoi. Et puis, ce sont eux maintenant qui continuent de donner tous ces milliards-là. Je vous dis déjà que là, l'Occident se bat pour trouver tous les vaccins pour combattre le Covid-19. Pourquoi est-ce que l'OMS n'aide pas à trouver le vaccin contre le paludisme? Pourquoi? Okay. Alors, restons dans les hôpitaux. Adrienne, je sais que vous en avez beaucoup contre les dirigeants africains, mais restons dans les hôpitaux et restons dans ce comportement difficile à accepter. Nos hôpitaux sont des mouroirs et nos dirigeants, dès la plus petite maladie, eh bien, prennent la direction de l'Europe. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter, c'est ce que je vous dis, c'est difficile à accepter. Okay. Moi, et puis bon, je vais vous dire quelque chose. Ils font tout ça. Alors, même j'étends l'oreille. Dites-le. Comment? Dites-le, vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais vous dire quelque chose. Uh-huh. Même quand ils font tout ça et qu'ils meurent, ils ne sont pas enterrés au Panthéon ou quoi que ce soit. Ils restent là-bas en Afrique, qui se réveillent un peu. Ok. Les Occidentaux sont là. Se moque de nous. Alors ça fait deux cris de gueule, celui de Bintou, celui de Adrienne. On veut entendre celui de Pulchéri. Allez, on y va. On n'est pas content du tout et il faut qu'on le dise de façon forte à la suite d'Alpha Blondie pour que nos dirigeants, quand même, on a l'impression que y a un problème d'entendement. On comprend pas. Pulchéri, c'est à vous. Oui, le coup de gueule se poursuit. Hein, donc moi, je vais renchérir un peu avec tout ce que mes consoeurs ont dit tout à l'heure. Faut enfoncer le clou. Et, oui, effectivement, c'est-à-dire que Alpha Blondie dans sa chanson, il a dit que nos hôpitaux sont devenus des abattoirs. C'est tout à fait correct. Et c'est ce que nous vivons ici. C'est la réalité totale, quoi. Il y a quelques jours, là, je pense qu'à un moment, c'était au niveau des sages-femmes, c'était au niveau des médecins eux-mêmes, les hôpitaux sont mal entretenus. En ce moment, la majorité des centres hospitaliers, il y a des salles qui sont fermées, des salles d'accouchement qui sont fermées, et tout ça. Donc, il y a beaucoup de pertes de vie humaine. Des filles qui vont en couche et qui y restent. Je peux vous raconter une histoire, Pulchéri. Je regardais les informations et j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, je crois la semaine dernière, il y a une bonne femme qui est allé mourir à la maternité parce que le lit sur lequel on l'avait étendu n'avait pas de protection. Et donc elle est tombée et elle est morte. Et ce qui est difficile à supporter, c'est que le ministre ose venir dire au personnel, il faut mettre les malades sur des lits avec des protections. Mais qui équipe les hôpitaux? C'est bien le ministère. Mais justement, quand je dis qu'Alpha, il a crié fort, mais parce que tous les jours on crie. Il n'y a pas longtemps, on a eu le cas du couple qui ont perdu leurs jumeaux des bébés. Le monsieur a alerté tout l'hôpital, tous les médecins qui s'y trouvaient et personne n'a pu prendre leur cas de façon assez particulière et la dame a perdu ses jumeaux et c'était ses enfants uniques. Donc vraiment, il y a plusieurs cas comme ça, les femmes qui vont accoucher, les gens qui vont et qui meurent. Bon, on se demande si le souci se situe au niveau du personnel ou bien même de... Mais franchement, il faut que le ministère y mette beaucoup de moyens. Alors, il y a quelqu'un qui a dit...
Il y a quelqu'un qui a dit, parce que vous vous posez beaucoup de questions, est-ce que ceci, est-ce que cela, oui. est-ce que tant, est-ce que tant. Il y a quelqu'un qui a dit, tout ça, il y en a dedans. Tout ça, c'est quoi. Et comme l'a dit Adrienne, il faut que l'Afrique se lève, il faut que nos dirigeants prennent de bonnes décisions pour pouvoir mettre tout à disposition du peuple. Parce que c'est de nous qu'ils ont besoin quand il s'agit de voter, quand il s'agit de faire patati patata. Et là, maintenant que le peuple a besoin, il faut qu'ils nous soutiennent assez fortement. Oui. Alors, merci beaucoup, plus chérie. Hein, on va continuer de boxer nos personnalités politiques avec ce sujet. Je me retrouve maintenant à Douala en compagnie de Carole. Les commentaires sont libres. Et des fois, paraît-il, le patient n'a besoin que d'un petit sparadrap, comme on dit. Et ça, il n'y en a pas. Vous êtes obligé d'aller acheter votre thermomètre, d'acheter tout. Et quand vous venez à l'hôpital, bon, ben, tout ce que vous avez acheté disparaît. C'est vrai ça, Carole? Oui, bien sûr, bien sûr. Le problème de Côte d'Ivoire, du Sénégal, c'est le même qu'au Cameroun. Il y a, comme le soulevait tout à l'heure Paul Chéri, des femmes qui ont perdu leur bébé, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, parce qu'il n'y avait pas assez de matériel médical pour s'occuper de la mère. Donc ce sont des situations tellement difficiles, ça fait pleurer, ça fait honte. Quand on sait qu'il y a quelques années ici au Cameroun, un ministre a soulevé un tollé général parce que, à cause d'un petit problème qu'il avait à la main, l'ancien ministre de la Santé, un petit problème à la main, il a demandé une évacuation sanitaire pour se faire opérer à l'étranger. Ah ouais? Les Camerounais n'avaient pas supporté. Il y a de quoi. Parce que le ministre lui-même disait que les hôpitaux du Cameroun, les hôpitaux publics, étaient très très bien équipés. Et tous les jours, à la télévision nationale, on avait de la propagande sur un nouveau matériel qui est arrivé, et tout ça et tout ça. Mais comment vous faites les propagandes sur les matériels acquis et vous continuez à vous faire soigner ailleurs. Ailleurs, ouais. En Europe, dans le Maghreb surtout. Ne parlons même pas d'Europe, hein, la Tunisie, l'Algérie, il y a plusieurs personnalités africaines qui vont se faire soigner au nord de l'Afrique. Bien sûr. La Tunisie pour les plus grandes opérations. J'ai envie de m'adresser aux personnalités politiques africaines. Voilà, Carole, qui a un visage radieux, qui est toujours gentil, jovial et tout. Voilà, vous avez vu l'air grave que vous avez créé à Carole en parlant de ce sujet. C'est vrai, c'est un sujet très grave. Carole, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir qu'on demande à nos autorités de faire attention et de prendre leur population, leur peuple, on va dire, au sérieux. Et je pense qu'il manque des choses dans nos différentes constitutions. Là, je le dis en souriant, mais je le dis quand même. Il faut qu'on inscrive dans nos constitutions, eh bien, quand le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les ministres et tout ça sont malades, il faut que se soignent sur place dans les hôpitaux qu'ils gèrent. Voilà. Il faut que ce soit... Oui. Il faut que ça soit bien écrit. On a vu des images qui circulaient, je ne sais pas si c'était le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, où on était en train de terminer une opération dans le noir avec la torche de téléphone. Voilà. Ça fait vraiment honte de voir ce genre de situation. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fini avec. Pardon? J'ai dit qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi une ambulance transportant une malade. Il paraît que c'était dans l'est de la Côte d'Ivoire, transportant un malade. Et puis l'ambulance tombe en panne, en pleine brousse. Et ils ont dû attendre le malade et la personne qui l'accompagnait 2 heures de temps, le temps d'aller changer, j'allais dire, une roue. Et pendant ce temps, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Tikendia qui le dit, pendant ce temps, ça vole. Et ça, c'est pas normal aussi. Ça fait trop de mots qui s'accumulent et vraiment, on a envie de... Oui, je vous assure qu'ici, au Cameroun, on pleure parce qu'il y a des personnes qui ont été condamnées pour détournement de deniers publics qui sont évacuées en Europe pour se faire soigner. On ne comprend pas. On finit par en rire, mais on va donner la parole on va ouvrir le micro à Tikendja, hein, qui enfonce le clou lui aussi, et qui dit, et ça c'est pas normal, pendant que c'est dur, ça vole. Et c'est pour ça que la France ne veut pas lâcher l'Afrique. Hein. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole, ça
ça vole l'argent de mon pays. Ça vole. Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il s'envole. Il s'envole l'argent de mon pays. Il s'envole. Construit de nos mers ou extrait de nos roches. Richesse prend un chemin qui ne mène pas à nos poches. Nos terres sont riches, nos bras sont forts. Mais d'autres profitent du trésor, nous laissant dans la pauvreté. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole l'argent de mon pays, ça vole. Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il s'envole. Il s'envole l'argent de mon pays. Il s'envole. Combien de fortunes cachées, construites avec nos cieux. Qui donc encaisse les bénéfices du travail de nos fils. Nous ne goûtons jamais les fruits de notre labeur. L'Afrique a de la valeur, plus puissant devient les voleurs. Et ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole l'argent de mon pays, ça vole. Il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il s'envole l'argent de mon pays, il s'envole. Voilà, je crois que le message est clair. Hein. Ça. Tel qu'il a chanté ça, on a envie même d'éclater de rire parce qu'il dit ça vole, ça vole allègrement. C'est ça, avec tellement de désinvolture, mais au final, c'est tellement sérieux ce qu'il chante. Ouais. Ça vole et pendant ce temps, ça meurt aussi dans les hôpitaux. Et bon, voilà, il faut que nos dirigeants se réveillent. Moi, je pense qu'il faut être en phase avec le peuple. Et puis, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, je pense. Ben, j'espère bon. Vraiment. Alors, tant que, et Bob Marley, encore une fois, c'est ce qu'il a dit, hein, tant que ça ne va pas mieux, il ne faut pas abandonner, il faut se lever, il faut se battre pour ses droits. Et c'est un droit que les populations africaines ont en matière de santé. Et c'est une obligation qu'ont les personnalités politiques, hein, les politiques, de faire en sorte qu'il y ait un accès aisé à une santé. On va dire pas cher. Merci beaucoup. Je crois que le message est bien perçu, bien entendu. Hein. On va maintenant vous proposer quelques informations en matière de culture et d'art. Ça donne dans notre émission le zigzag. C'est le nom que l'on a donné à cette rubrique, le zigzag culturel. Le SOPACO, le Fonds de solidarité pour les artistes et les organisations culturelles en Afrique, a lancé le troisième appel à projet pour soutenir les artistes et les acteurs culturels face à la crise du Covid-19. Initié en 2020 par l'ACF, le Fonds culturel africain, organisation panafricaine enregistrée et basée au Mali, SOPACO cherche à soutenir des activités et des projets de création, production et diffusion d'œuvres et de renforcement des capacités en musique, danse, théâtre, conte et art visuel. L'appel couvre tous les pays africains et les projets doivent être relatifs à la création ou à l'innovation artistique adaptée au contexte Covid-19 en Afrique. Originaire du Congo-Brazzaville et installé en France, Ophélie Boudimbou est entrepreneur et doctorante en littérature comparée. Gourmande et rêveuse à temps complet, comme elle se définit, passionnée par les livres et les histoires, elle est la créatrice de l'ouvrage Kanika dans la cuisine de mamie et fondatrice de la Kanika Box.
Chaque trimestre, à travers une box culinaire voyageuse, Kanika effectue un périple au cœur des cuisines d'Afrique. Elle se rend dans un pays africain différent et met en avant ses saveurs culinaires. Pour cette première box, le Congo-Brazzaville est à l'honneur avec l'épice poivre noir appelée Ndongobela. Grâce à la prolongation de l'événement et la réouverture des musées en France à partir du 19 mai, l'exposition The Power of My Hands, Afrique, artiste femme, pourra être visitée jusqu'au 22 août au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Dans le cadre de la saison Africa 2020, les commissaires de cette exposition ont réussi à réunir des œuvres de 16 artistes femmes issues de plusieurs pays africains, anglophones et lusophones ou de la diaspora. Le 27 mai sera annoncée la sélection officielle du Festival de Cannes 2021, reportée du 6 au 17 juillet, et dont le jury des longs métrages sera présidé par le cinéaste afro-américain Spike Lee. En 2020, le documentaire « En route pour le milliard » du cinéaste congolais Dieudo Amadi était l'un des trois films africains et le premier film de la RDC en sélection officielle dans l'histoire du festival, qui portait fièrement le label Cannes 2020, décerné à 56 films. Depuis 1975 et la chronique des années de braise de l'Algérien Mohamed Lagdar Amina, on attend toujours la deuxième palme d'or remportée par un cinéaste africain. En 2019, avec Atlantique, la franco-sénégalaise Mati Diop est devenue la première cinéaste femme d'origine africaine ayant remporté le Grand Prix à Cannes. Alors c'est compliqué hein, l'Afrique. C'est vrai que les hôpitaux ça marche pas bien, mais il y a d'autres choses qui vont pas non plus. Automobile non plus. On coupe deux voitures et puis on les soude. Hein, voilà. C'est le recyclage. Ouais. Carole, le Cameroun c'est super. Hein. Ce véhicule là, si on le vend, mon Dieu, il va coûter très cher. Ouais. N'est-ce pas? Vous avez vu le véhicule là du Cameroun, là, Made in Cameroun? Ah ouais. Il y en a de tout ici, hein. L'ingéniosité. Ça c'est, on doit marquer c'est bien là. C'est à tous les niveaux. Made in Cameroun, ok, c'est bien noté. On va continuer notre mission. Non, c'est pas Made in Cameroun, c'est Made in Côte d'Ivoire. Non, c'est bien écrit. Non, non, c'est Côte d'Ivoire, c'est Made in Africa. Ok, on continue notre mission. Maintenant, je vous propose notre rubrique. Attendez, vous avez fait que je suis en train de perdre le fil conducteur de notre mission. Bon, maintenant, on va retrouver une dame hein, qui, on va lui dire chapeau, madame. Mm-hmm. Elle s'appelle Halima Cissé. 9 bébés d'un coup, il fallait le faire. 9 bébés mis au monde d'un seul coup. Ce record détenu par la Mexicaine Carla Vanessa Pérez depuis mai 2012 a été égalé par la Malienne Halima Cissé. Docteur Fanta Sibi, la ministre malienne de la Santé et du Développement Social, a informé le Mali et toute l'Afrique qu'à l'issue heureuse d'une grossesse à fœtus multiple, Madame Halima Cissé a donné naissance à des non-nuplés. Après un séjour médical de 2 semaines à l'hôpital du Point G de Bamako, Dame Cissé a été admise le 30 mars 2021 dans une clinique au Maroc pour une prise en charge de sa grossesse. Le 4 mai 2021, Madame Halima Cissé a accouché par césarienne de 9 nouveaux-nés au lieu de 7 annoncés par les résultats d'échographie faites au Mali comme au Maroc.
Il s'agit de 5 filles et 4 garçons. Rassurant les bébés et la maman, se portent bien. Bravo, dame Halima Cissé. Ah, il faut applaudir cette bravo, dame. Wow, hein? C'est une quest extraordinaire. Il y avait 7. Oui, chérie. 7 oui, étaient annoncés. Oui. Il y en avait 7 qui étaient annoncés et il y en a 9 qui sont. Ok. Alors, Carole voulait dire quoi? En fait, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que le nombre de filles domine. Voilà. Ah bon? Attention, après, elle a fait 5 filles et 4 garçons. Après, il faut trouver un mari. Hein? On va en reparler une autre fois. Hein? Après, il faut trouver un mari, n'est-ce oui. pas? Oui. N'est-ce pas? Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, Bintou? Déjà, félicitations à elle, parce que c'est une prouesse extraordinaire. Après, je trouve que ça peut être un peu paradoxal avec le sujet dont on vient de parler juste avant. Ouais. Parce qu'on parlait des hôpitaux, mais au final, ils ont réussi un exploit extraordinaire. D'ailleurs, toute l'équipe médicale est à saluer aussi. Mm-hmm. Parce que 9 enfants, c'est pas donné. C'est pas donné, c'est pas rien. Elle a commencé à être traitée au Mali et puis ensuite… Oui, ensuite, elle a fini au Maroc. Oui, elle donc, a été évacuée là-bas. En Afrique, donc on peut se féliciter. Et puis, bonne chance à la maman, je crois. Beaucoup ouais. de courage. Ah oui, parce que élever maintenant 9 enfants… 9 enfants. Bon, au moins, c'est fait. 9 maintenant, enfants. Voilà, ouais. En une fois, elle a tous ses enfants, il n'y a plus besoin d'une autre grossesse. Ouais. Mais ouais. Chapeau, à qui a dit elle. Ça Après, c'est son choix, bien sûr. Mais ah, 9 que... enfants, je ne sais pas si elle en voudra d'autres encore. Ah, peut-être qu'elle peut. Je ne sais pas si elle avait déjà des enfants, mais il suffit d'ajouter 2 encore, ça fait une équipe de foot. Une hein. équipe de foot, c'est vrai. Ça peut être rentable. N'est-ce pas Adrienne, quelles sont vos réactions? Je suis très heureuse pour elle et j'aurais vraiment souhaité que ça se passe ici en Europe parce que toutes les agences de publicité se battraient pour les avoir. Ah oui. Des maisons de vêtements juste au Lando, les voitures, les maisons, le reste, c'est certainement offert même une maison parce que 9 enfants, du coup, un coup comme ça. C'est un... Mais en Afrique, je ne sais pas, comme là, on vient de le citer, on vient de le dire avec nos hôpitaux et tout ce qui manque, je ne sais pas si les organisations, les organismes seront vraiment là pour les soutenir et tout ça. Quoi. Voilà, en tout cas, il le faut, n'est-ce pas, Carole? Il faut que cette femme, avec ses 9 enfants, soit accompagnée. Oui. Ça, c'est une... C'est une obligation, on peut en parler, mais comme en Afrique tout n'est pas évident, bon ben, il faut qu'on dise un mot là-dessus. Oui, oui. Je suis heureuse d'apprendre que c'est le gouvernement malien qui a décidé de son évacuation au Maroc, pour que sa grossesse soit suivie dans de très bonnes conditions. Ça doit être logique hein, que le gouvernement malien continue de la suivre, de suivre ses bébés. Ça pose aussi le problème qu'on a soulevé tout à l'heure avec nos hôpitaux ici en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Est-ce que le Mali n'était pas capable de suivre cette femme? Mais bon, pour cette fin, on était obligé, quand c'est compliqué, d'évacuer. Donc je pense que ça doit inciter les gouvernants à regarder à ce problème-là, parce qu'au Cameroun, il y a des bébés, des jumeaux, des triplés, des quadruplés qui meurent pour défaut de couveuse. Ouais. Donc vous voyez pourquoi on l'a évacué au Maroc. J'espère que le gouvernement va continuer, le gouvernement malien va continuer à la suivre. Déjà 7 enfants, c'est énorme. Et 9. On savait que c'était 7 au départ, c'est énorme. Et quand on en découvre 2 autres lors de l'accouchement, c'est vraiment, j'ai pas envie de parler comme certains croyants, une bénédiction divine, mais c'est aussi une preuve que la science peut apporter beaucoup de choses à l'humanité. Ok, et nous avons décidé Bravo à Halima. Voilà, nous avons décidé de saluer, c'est un exploit, hein. Nous avons décidé de saluer cet exploit avec de la très bonne musique made in Mali, il s'agit de balafon, et j'espère que vous allez apprécier, c'est des balafons accompagnés de djembé, de tambour, et ça donne ce que l'on appelle le djarabican balafon, j'espère que vous saurez apprécier, ce sera pour saluer l'exploit réalisé par Dame Halima Cissé.
Ah, c'est une bonne musique, hein. La musique elle est bonne hein, en Afrique, n'est-ce pas? Et là, c'est rien que des balafons et des tambours, des djembés. Ça fait du bien, on a envie d'écouter ça toute la journée. Si vous avez envie de le faire, retenez qu'il s'agit du groupe malien Djarabican Balafon qui vous proposait donc Djarabican. J'espère que vous serez appréciés et vous pouvez écouter cela toute la journée, tout le week-end. C'est pas interdit, en tout cas sans modération. Nous avons décidé d'utiliser cette composition pour saluer l'exploit de Dame Ali Massissé qui a mis au monde d'un seul coup 9 bébés. Bien, on va continuer. Nous allons prendre la dernière ligne droite de notre émission. On a parlé de beaucoup de problèmes hein, concernant l'Afrique et comme si ça ne suffisait pas, les femmes ont décidé d'en mettre une, deux, trois, quatre couches supplémentaires. Des fois, on ne comprend pas. Souvent, on dit que c'est pour faire plaisir à notre homme, mais l'homme, il vous a rencontré comme ça. Et puis, en cours de route, vous voulez changer. Bon, trêve de commentaires, il se passe un phénomène terrible en Afrique. Les femmes ont décidé de donner du volume aux fesses et aux seins. Dans plusieurs pays du continent africain, les formes rebondies avec un fessier volumineux représentent un canon de beauté, un synonyme de richesse ou de bonne santé. Dans ces pays où la mode est aux formes rondes, les femmes ingurgitent toutes sortes de substances pour avoir un postérieur généreux, faire gonfler leurs seins ou leurs hanches. Le phénomène a désormais gagné la toile. Vitamines, antidépresseurs, corticoïdes, suppositoires d'huile de foie de morue, sirop contre l'asthme, hormones de croissance pour animaux, c'est dans les blogs, forums de discussion et réseaux sociaux que les femmes discutent et partagent les pages consacrées à ces produits que l'on se procure facilement en pharmacie ou sur les marchés et en grande quantité. Des produits qui, selon certaines femmes, permettent des recettes miracles censées faire grossir le postérieur en quelques semaines. Le bouillon de cube, ingrédient quasi incontournable de la gastronomie africaine, est également très prisé par les femmes pour faire grossir le postérieur. Introduit par voie anale, il permettrait une accumulation de graisse au niveau des fesses. Lay down, or can you show me? Ça y bouille, allez. Côté ici, la pompée en haut, la bendi de sous-sous, côté ici, la pompée. Et c'est un peu un risque. Dengue médecin, il sait qu'il y a un peu de sous-sous en haute. J'ai de grosses cuisses et chez nous en Afrique, il y a des gens qui sont complexés et quand elles me voient comme ça, elles me disent que « Osala Aboué, chez nous là, comme on dit, secret dans mon union, c'est quoi ton secret ?» Oh, mais moi je suis déjà comme ça. Oui. Dès que mon mignon, moi je suis déjà comme ça. I won't come like this. Qui camarade d'anga mais après ma fille baline bon bah miki était à ce moment là ça la miki et je suis allé bien peut-être beaucoup ça les kiri quand ils m'ont raison miki ils talent à l'arabe tout n'a tout n'a de mais quand découvrir en haut on a payé les numbers pour surtout la salle quand on est à moi passé mais tellement on a un poste en haut et on a salle en haut. Ah ouais, l'affaire est difficile, hein, c'est compliqué. Les Congolais auraient dit, est-ce que l'Ikambo ils allient normal? Est-ce que cette affaire est normale? Alors, Adrienne, vous avez regardé ça. Je ne sais pas comment vous avez... quel est votre commentaire? Là, c'est une affaire de femme. Hein, je vous laisse là aussi libre cours. Donc, vous savez... Le Dieu créateur, il nous a créés libres, donc bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, il suffit qu'on se sente bien dans son corps, qu'on se sente bien dans sa tête, qu'on n'ait pas à vieillir
son prochain pour devenir des sorciers ou quoi. Mais bon, moi, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, mais bon, dans ces conditions, je ne sais pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est pas... se sente bien comme ça. Mais bon. ça ce n'est pas la chirurgie esthétique, hein? Oui, je dis la chirurgie esthétique parce que, bon, en plus, celles qui ne peuvent pas se le permettre, elles sont obligées d'utiliser tous ces produits-là qui vont leur créer des cancers, des tumeurs par la suite, je ne sais pas. Et puis, ok, Pulcherie, est-ce que ça marche? Est-ce que ce genre de pratique-là, ça marche, Pulcherie? Je pense que ça marche. Oui, ça marche super bien même parce que... Vous avez vu des gens changer comme ça? Pardon, Georges? Vous avez vu des gens changer après avoir... après s'être fait injecter des bouillons de poulet et tout ça, la poitrine qui a changé de volume, les fesses également? Pour les bouillons de poulet, pour peu importe le type de bouillon. Mais en tout cas, je pense qu'ici, à Dijon même, ça existait, mais jusqu'à ce que les filles trouvent d'autres moyens, d'autres astuces, le beurre de karité, plein de trucs en plus ça pour se faire grossir certaines parties du corps. Ah bon. En tout cas, moi, je ne suis pas contre. Comme l'a si bien dit Adrienne, chacune est libre de son choix. Moi, par contre, je veux bien expérimenter, me faire grossir une partie de mon corps. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Oui, bien sûr, la poitrine, j'ai bien envie de me faire ajouter un peu de volume. Ah bon. Mais pas de cette manière. Je préfère plutôt aller me faire une opération quelque part, vraiment sûre, quoi. Une opération sûre et certaine, je préfère encore que d'utiliser les moyens, les injections, les patates. Alors ça vient de quoi que d'avoir envie de se changer? Maintenant que ça marche, mais bon. Ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Ça provient de quoi? Ça? Oui, vous avez décidé, si vous en avez les moyens, de donner du volume à votre poitrine. Oui, parce que ma poitrine est devenue plus petite qu'auparavant. Je ne sais pas si c'est dû à mes maternités, je ne sais pas, mais j'ai bien envie de... En fait, une femme qui a une forte poitrine, je ne sais pas, moi j'aime bien. Mais depuis un moment, j'ai comme l'impression que ma poitrine a baissé de volume. Donc, ça, par contre, je vais le faire. Mais Dieu m'a fait grâce. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine, j'avais fait un post sur ma page Facebook pour dire que c'est vrai que des fois, on a tendance à aller faire des opérations et tout ça, mais on a déjà se contenter de ce que Dieu nous donne. C'est vrai, je parle de ce que plus tard, je vais me faire quelque chose là. Mais déjà, je me contente de ce que Dieu m'a donné. C'est une grâce. C'est vrai que je n'ai pas la taille. Mais j'ai quand même un peu de derrière, ça j'ai vraiment les rondeurs. Voilà. Les rondeurs sont quand même là. Mais avant, un peu quand j'étais un peu plus jeune, mais vous n'avez pas entendu les dames congolaises. Grosses lèvres là. Mais vous savez qu'aujourd'hui il y a des femmes qui vont se faire opérer les lèvres pour avoir des lèvres volumineuses, pour avoir des lèvres pulpeuses, alors que nous on a ça naturellement. Donc on a déjà dit merci à Dieu pour ce qu'on a. Voilà, donc moi je ne me plais pas, c'est vrai que ma poitrine n'est pas aussi énorme, mais déjà c'est joli, je m'habille bien. Bon, vous dites que vous avez déjà le Yamado. Oui, mais je trouve ça très bien. En tout cas, c'est bon. En tout cas, c'est vrai qu'on va faire des choses, mais moi je n'encourage pas les gens à faire ça, à prendre le bouillon pour se... C'est très dangereux. Pour se faire grossir. Non, ça c'est dangereux, c'est très dangereux. Carole, vous êtes prête aussi à changer quoi chez vous? Oui, les rondeurs. Les rondeurs. Hein? Les rondeurs. Carole, non, c'est trop joli. Qu'est-ce que vous voulez changer chez vous? Vous n'allez pas prendre les bouillons, oui, là. Hein? J'aimerais peut-être m'affiner avoir les lèvres de Pulcherie. Ah bon? On a fini le nez. Hey. Je rougis en ce moment. Moi, je voudrais parce que la rondeur. Des rondeurs. Mais pour Adrien. Des rondeurs. Mais je vous en prie, je vous en prie, pas avec les bouillons. Pas avec les bouillons. Pas avec les bouillons. Avec des ciseaux. Avec des ciseaux. Ah oui? Quelque chose qui est moins dangereux, qui ne nous expose pas à l'inconnu, parce que les bouillons, je ne sais pas si ça a été scientifiquement étudié, les différents, parce qu'on a vu des vidéos des filles sur les réseaux sociaux, les filles qui avaient les fesses complètement bousillées. Parce qu'elle s'était injectée ces matières inconnues-là, elle s'était injectée des bouillons et elles ont eu leurs fesses. D'autres ont développé les cancers. Ah ouais. Donc, je pense que
comme l'a dit aussi Adrienne, chacune et chacun est libre de faire de son corps parce que tu es né avec ton corps et de ta Ouais. Tiens. Oui, mais quand ça met la vie en danger. Pardon? Quand on met sa vie en danger, nous, nous sommes, en tant que médias, nous sommes obligés de réagir. Changez ce qui ne vous plaît pas chez vous, mais essayez de le faire dans de bonnes conditions. Rassurez-vous que vous n'aurez pas d'effets secondaires. Alors, ce qui me plaît, Carole, dans cette histoire, bientôt va peut-être réagir là-dessus, c'est que habituellement on dit oui, c'est parce que les hommes veulent ceci, les hommes veulent cela. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'on n'a pas entendu parler de, des hommes. Donc, Mais je pense que... Attendez, c'est une affaire de femmes. Il y a des hommes qui font ce genre d'opération-là, non? Non, je ne parle pas des hommes qui font ça. En général, il y a des hommes qui font des opérations. Il y a des hommes qui le font. D'accord. Il y a des femmes qui disent qu'elles le font pour plaire aux hommes. Mais c'est un peu ça. Mais justement, il y a des hommes qui le font aussi pour plaire aux femmes. C'est un peu ça. C'est pour plaire à vous-même d'abord, non? Je ne vois pas les vidéos des hommes qui se font opérer pour avoir les pectoraux. C'est vrai. Bon, aujourd'hui, on parle des femmes. Oui, mais même les tablettes de chocolat. Même les cheveux, même la barbe. J'ai envie de me faire changer. Et il y en a même qui font l'opération de l'autre côté, là aussi. Les tablettes. Hein. Bon, la question que j'ai posée... Pour allonger le pénis. Mais voilà. Il y a des gens qui allongent. Ah bon? Qui utilisent les mêmes bouillons pour allonger les pénis. Ça existe, ça? Ça marche? Ça dépend pas après. Je ne sais pas si il faut nous dire, Georges. Bon, alors, on va fouiller. Et puis, on va traiter de ça dans un prochain numéro de Ça va chauffer. Mais la question que j'ai posée à Bintou, c'est est-ce que c'est forcément pour plaire à un homme qu'on fait ça? Oui, c'est pour plaire aux hommes. Laissez Bintou répondre d'abord. Je pense que oui, c'est pour plaire aux hommes. C'est pas pour plaire à vous-même d'abord? Non, en fait, comme si vous avez entendu ce qu'elle a dit dans la vidéo, en fait, c'est culturel, parce qu'ils disent que les femmes qui sont minces ne sont pas aimées. Donc la femme qui veut se faire aimer des autres, en fait, doit être grosse. Parce qu'elle a dit, dans un groupe de femmes fortes, c'est la mince qui va se sentir mal à l'aise. Ah bon? Donc c'est un problème culturel, je pense, où... Mais le monsieur vous rencontre mince, il vous apprécie comme ça. Restez comme ça. Si, il nous apprécie comme ça, bien sûr. Mais avant de rencontrer l'homme qui nous apprécie, malheureusement, ces femmes ont des problèmes parce que les hommes préfèrent des femmes qui ont plus de rondeur. C'est un peu le même problème avec le... Quels sont les hommes qui vous ont dit ça? L'éclaircissement de peau. Ben, ici, c'est connu. Enfin, en Afrique, où surtout... Ça, ici, à Dakar, au non, Sénégal? Non, je prends en Afrique, en général, je pense que les hommes aiment les femmes qui sont bien en chair. Ici aussi, c'est connu que les femmes... Bintou, tu as raison. Comment ça, elle a raison? Parce qu'il y a des hommes... Qui a fait cette enquête-là? Il y a des hommes qui préfèrent des femmes avec des grosses fesses. Avec les grosses, oui. Et il y en a qui n'aiment pas les femmes minces. Ils aiment les femmes fortes, avec beaucoup de rondeur. Il y en a chères. Ok. Donc, ils vont choisir celles qui ont plus de formes, dotées de grosses fesses et tout ça. Oui. Adrienne, il y a notre soeur. Alors, Bintou, elle est toute mince. Bintou est mince, donc attention. Bintou, mais il y a des hommes qui ont laissé des filles. J'aimerais poser une question à Bintou. Oui. Il ne faut pas changer à cause d'un homme, ça jamais. Alors, question à Bintou. J'aimerais poser une question à Bintou. Oui, Carole. Oui. Est-ce que l'expression Jai Fondé est toujours célèbre au Sénégal? Bien sûr, voilà, ça c'est. On n'a pas bien entendu. Ça illustre parfaitement. Jai Fondé. Jai Fondé. Jai Fondé, ça veut dire quoi? C'est les femmes qui, ça veut dire quoi? C'est les femmes qui ont des grosses fesses, qui ont des hanches. Les c'est les femmes qui sont bien en forme. Les Sénégalaises, quand elles mettent leur pagne et que les fesses font broum broum comme ça, là, c'est ça les Jai Fondé. Et effectivement, c'est tout à fait ça. Donc c'est pour vous dire que c'est ça quand même. Au Cameroun, ici, on appelle ça la bosse. Donc, dès qu'une femme passe, c'est qu'elle a ses rondeurs, on dit la bosse. Et ça fait que. Comment la bosse? C'est tombe la donc bosse. Dans ces bouillons-là. La bosse, ces femmes qui sont appréciées. Carole, vous avez dit quoi? La bosse ou bien la bosse? La bosse. On appelle ça au Cameroun la bosse. Et la en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le tassaba ou le bobaraba ou le moutou, le bobaraba. Il y a tous les noms ici. Allez, merci beaucoup. Je suis content qu'on finisse cette émission dans la bonne humeur, en tout cas parce que nos dirigeants politiques avaient réussi à nous énerver. Il faudrait qu'on relance ce débat là, il faudrait qu'on le relance parce que est-ce vraiment pour un homme qu'on le fait? Ça, moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, quand je dis que j'ai fait ma poitrine, c'est pour moi-même.
Ouais, et okay. Puis il faut mieux, c'est vrai qu'on remette le débat surtout parce qu'il y a les hommes aussi qui s'adonnent à ce genre de choses. Oui, oui, on va remettre ça sur la table. On va remettre ça sur la table. Je n'aime pas. Les hommes qui se décapent et les hommes qui veulent se faire grossir une partie de leur morphologie. En tout cas, je suis content que cette émission finisse dans la bonne humeur. Je disais que nos personnalités politiques nous ont quelque peu désarçonnés avec ce coup de gueule d'Alpha Blondie sur les hôpitaux qui sont de véritables mouroirs. Mais je suis content que ça finisse dans la bonne humeur. Mais attention, si vous avez envie de changer une partie de votre corps, faites-le en tenant compte de toutes les conditions sanitaires adéquate. Merci beaucoup, Carole. Je vous fais un gros bisou, hein, Carole. Merci beaucoup. Bon week-end à Douala. Adrienne, je vous fais aussi un très bon, un gros bisou et je vous souhaite un très bon week-end à Milan, en Italie. Merci. Plus chéri. Plus chéri, vous avez dit que vous êtes où, à Grand Bassam ou à Abidjan? Elle est partie. Elle est partie. Plus chéri, allez, gros bisous, bon week-end. Bintou, pareil, je vous souhaite. Bintou, gros bisous. Voilà. Ok, bisous, merci beaucoup. Merci. Et on a choisi une belle jeune femme sénégalaise pour boucler cette émission. C'est une chanteuse, elle s'appelle Queen Bees. Et c'est pour votre plus grand plaisir et pour faire en sorte que bien, cette émission reste impérissable dans vos esprits et dans vos cœurs. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you.